c'est pour moi, c'est le combat que j'attendais le plus ce soir. Parce que ne vous fiez pas au sourire de Jacqueline Ayana au Nigeria. On le surnomme le smiling assassin, l'assassin qui sourit. Mais en face de lui, on a l'un des meilleurs judokas du Bénin, le grand espoir du Fighter Sanctuary, Pascal Akobeton. Il a une réputation. Dès qu'il vous approche, vous pouvez voler. Il vous fait voler. Alors on a une belle opposition de style entre un kickboxer très mobile, très élusif, contre le virevoltant judoka Pascal Akobeton, qui dès qu'il aura une prise, va sûrement tenter d'amener Jacquel au sol. Alors Marco, c'est le genre de combat qu'on aime bien. Un grappleur contre un striker. Justement parce que Pascal cherche à lui mettre la main dessus pour l'amener au sol évidemment. Et Jacquel est très fluide dans son style comme on peut le constater. Il passe de très bons low kicks. Il se déplace également très bien. Donc vraiment c'est un combat qui est totalement indécis pour le moment. Et c'est, comme je disais, c'est le genre d'opposition de style qu'on aime. J'ai déjà vu Jacqueline Ayana combattre au Nigeria et je le répète, ne vous fiez pas à son physique, ne vous fiez pas à sa gueule d'ange, c'est un assassin. Mais en face de lui, je ne sais pas si tu te rappelles du BFC 6 et de l'immense performance, la performance stellaire que nous avait offert Pascal Akobeton qui faisait voler son adversaire dans tous les sens. La première phase contre la cage nous donnera des enseignements. Pour le moment, on joue au chat et à la souris. Voilà, voilà peut-être la première projection de hanche. Le ogoshi, comme les judokas le disent. Mais Jacquel qui défend bien. C'est sûr qu'il avait déjà ces informations sur son adversaire. Oui, et on entend dans le public, il va partir. Il va partir parce qu'on connaît la réputation de Pascal Akobeton. Dès qu'il vous attrape, ce n'est qu'une question de temps avant que vous n'alliez au sol. Et voilà, Jacquel Ayana qui réussit à s'échapper. Il reprend la distance. Voilà un bon low kick. Il faut féliciter le coin du Nigérian qui apparemment s'est renseigné. Il évite absolument toutes les situations dans lesquelles il pourrait se retrouver au corps à corps avec Pascal Akobeton. Il travaille à distance. Il travaille à distance et c'est mieux ainsi parce que dès qu'il y aura une prise sur Pascal Akobeton, ce sera dangereux. Il passe énormément cette jambe gauche et sur la durée, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts. On voit ce que Jacqueline Ayana essaie de faire, saper les appuis pour que Akobeton n'ait plus de force dans cette jambe gauche pour le projeter. Mais Akobeton a affronté beaucoup de strikers. Il a affronté beaucoup de strikers en combat amateur. Il est habitué à ce genre de game plan. Et le Fighter Sanctuary a sûrement pensé à une parade contre cette tactique. Déjà, on sent qu'il veut bloquer cette jambe gauche. Oh là là. Mais qu'il passe toujours. Il agresse cette jambe gauche, Jacqueline Ayana. Voilà. Et il évite, il fuit absolument les phases de prise. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant? Il ne veut pas aller au sol. Il ne veut pas aller au sol. Malheur, voilà. Et voilà, attention, le retournement, Jacqueline Ayana qui tente de survivre, mais voilà, la montée pour Pascal Akobeton, sa position préférée, à partir de là, j'entends dans le public, à partir de là, Pascal, le public qui encourage le Béninois. L'un des judokas les plus talentueux de ce pays qui a réussi sa transition au MMA. Très jeune ceinture noire de judo. Jacquel a près d'une minute à tenir. Un peu plus de 30 secondes à tenir. Il faut faire attention, c'est un combattant expérimenté, il sait gérer les temps faibles. Voilà, il essaye de coller Pascal. Il colle à son torse et il tourne la tête. Quand Pascal essaie de frapper du bras gauche, il envoie sa tête à droite et il essaie de gagner du temps.
Il ne reste plus que 10 secondes. L'arbitre les sépare. Voilà cette belle opposition de style. Avec efficacité, leur transition vers le MMA. Et donc ça repart. Voilà. Oh, bel échange. La belle réactivité de Jacquiel qui répond du tac au tac. Mais Pascal attend, il sait ce qu'il attend. Le bolo kick. Pour le moment, ça reste à distance. On sent que les deux combattants se répondent coup pour coup. Ils se rendent coup pour coup. Mais on voit très bien que Jacquiel Ayana, cette fois-ci, combat en appui sur sa jambe avant. Il va frapper. Il n'a pas beaucoup aimé se faire amener au sol. Il ne veut pas passer pour une serpillière. Il combat sur sa jambe avant et il frappe. Il agresse à nouveau la jambe avant de Pascal Akogbeto, qui lui, de son côté, attend l'occasion qui viendra certainement. Son middle. Voilà un bon jab. Bon direct. Les belles combinaisons d'anglaises. Oh, et voilà le body lock. L'emmener au sol. Il va voler. On entend le public. Belle défense de Jacquiel. C'est ça aussi le combat, savoir s'adapter à son adversaire. Et il arrive à bien le faire, Jacquiel. Pascal Akogbeto qui check les low kicks, il ne les laisse plus passer. Oui, parce que cela peut devenir très problématique. Oui. Les feintes de Jacquiel Ayana qui joue un peu à Israël Adesanya, qui essaie de surcharger le logiciel de son adversaire, le faire réagir pour avoir des ouvertures. Pascal Akogbeto qui rentre, qui casse la distance. Et Jacquiel qui, comme une savonnette, s'échappe encore. Voilà, il n'a pas du tout intérêt à aller au sol. Il ne veut pas se faire attraper. Voilà. Il n'a pas aimé cette séquence lors du premier round. Il préfère rester à distance et travailler. Et pour le moment, ça marche. Patiemment, l'assassin souriant nigérian qui installe son striking. Oui, il passe quelques bons coups pour le moment. Voilà encore un beau direct du doigt. C'est fini. C'est fini. Oh, on vous l'avait dit. On le surnomme l'assassin souriant. C'est vraiment un assassin. Jacquiel Ayana qui salue respectueusement son adversaire. On le surnomme l'assassin souriant et pas pour rien. Un striking incisif. Les médecins qui sont à l'intérieur de la cage. Belle connexion de Jacquiel Ayana.